C'est dans ce mausolée érigé à Ouagadougou que seront inhumés les restes de Thomas Sankara au cours de ce mois, selon l'annonce faite par les autorités du Burkina Faso. Mais la famille de l'ex-président assassiné en 1987, avec 12 de ses compagnons, a annoncé dimanche qu'elle boycottera la cérémonie. Elle s'oppose au choix du mémorial Thomas Sankara, situé sur le site du meurtre de l'ex-président. Un lieu inadéquat pour toute la charge qu'il recèle, expliquent ses proches, qui optent pour un site qui apaiserait les esprits. Enterré une première fois dans un cimetière en périphérie de Ouagadougou, les corps de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons avaient été exhumés le 25 mai 2015 pour les besoins d'une procédure judiciaire. Le procès de son meurtre s'est soldé par la condamnation de son successeur Blaise Compaoré à la prison à perpétuité par contumace en avril.